bonjour à tous qui êtes dans cette salle et puis à tous qui êtes peut-être en ligne ce matin. Et donc, vous vous en doutez, je vais vous parler de matière organique. Voilà, de matière organique et plus précisément de stockage et stabilisation des matières organiques dans les sols. Alors, je n'ai plus besoin de me présenter, c'est fait. Alors, pourquoi enrichir les sols en matière organique? Pour les multiples bénéfices qu'on peut en attendre, fourniture d'éléments minéraux pour la nutrition des plantes, ressources trophiques, c'est ce qui soutient toute la diversité, l'activité biologique des sols, une meilleure structure, Paul a commencé à introduire le sujet, une meilleure rétention d'eau, donc contribution à la qualité physique des sols, mais aussi une contribution à la rétention des éléments, des contaminants, mais aussi parfois production de polluants potentiels, nitrates et phosphates, et puis une véritable plaque tournante des émissions de gaz à effet de serre et des puits de ces gaz à effet de serre, en particulier via le stockage de carbone dans le sol. Alors vous voyez, j'ai représenté les matières organiques, j'ai représenté les matières organiques en interaction forte avec les activités biologiques. On ne peut pas, enfin, l'un est fortement dépendant de l'autre, dans les deux sens. Effectivement, parce que, alors, voilà le bon bouton, les matières organiques, c'est tout ce qui est ou a été vivant et qui résulte d'une perpétuelle biotransformation par les êtres vivants entre le flux d'apport au sol et la biodégradation, puis la minéralisation. Du coup, c'est un mélange complexe. Donc tout ce qui est ou a été vivant, c'est des débris végétaux plus ou moins fragmentés, ce sont des êtres vivants, dont les micro-organismes, qui sont les principaux acteurs des biotransformations. Je crois qu'il faut que je parle lentement, je vais essayer. Des petites ou grosses molécules, surtout associées aux minéraux, et puis certaines d'entre elles dans la solution du sol. Donc un mélange complexe, et d'un point de vue composition, les matières organiques, elles sont constituées principalement de carbone, la moitié, et on les quantifie par rapport au carbone, mais j'ai tenu à mettre en titre matière organique parce que ce que l'on gère, ce sont les matières organiques plus que gérer le carbone, même si on peut avoir des objectifs vis-à-vis du carbone, comme ce que nous avons dans l'initiative 4 pour 1000. Les matières organiques sont également constituées d'autres éléments, dont ceux essentiels, puisque éléments nutritifs pour les plantes et libérés par ces biotransformations. Alors, en termes de gestion, finalement, on s'intéresse autant au carbone qu'aux autres éléments, et qu'est-ce qu'on veut? On veut souvent, en fait, on veut des choses qui peuvent apparaître tout à fait contradictoires. On souhaite, d'une part, stocker les matières organiques, en avoir, et puis, ça ne bouge plus, surtout que ça ne bouge plus, parce que ça permet d'avoir une meilleure réserve utile, parce que ça permet d'avoir une meilleure capacité d'échange cationique, donc rétention des éléments fertilisants, une meilleure stabilité de la structure, donc une meilleure infiltration de l'eau, résistance à l'érosion, et puis, ça fournit du stockage de carbone. Mais ce qu'on veut aussi, donc on voudrait que ça ne bouge surtout pas, ce qu'on voudrait aussi, c'est biodégrader les matières organiques. Et donc, en fait, c'est les consommer. Les consommer pour que ça alimente l'activité biologique et soutienne donc la biodiversité, pour que ça permette une meilleure stabilité de la structure. La stabilité de la structure, elle est des deux côtés. Et puis, parce que c'est ça qui permet la fourniture de nutriments par la biodégradation, minéralisation des matières organiques. Donc, vous voyez deux objectifs apparemment contradictoires et pour lesquels il faut parfois faire des compromis. Mais est-ce qu'on peut dire, si on ne cherche que cette fonction-là, on va épuiser le stock, mais il est très important pour ça de l'alimenter, de continuer à l'alimenter, de façon à pouvoir avoir les deux types de fonctions des matières organiques attendues. Et ceci d'autant plus que les matières organiques... Je m'étais mis un chrono, je n'ai même pas démarré. Je peux parler. Les matières organiques, donc un ensemble de molécules organiques sous différentes formes, persistent dans les sols pendant des durées qui sont très variables. Toute la palette, ça va de l'heure à plusieurs millénaires. Et en fait, nous, ce que nous faisons, c'est que nous les divisons en compartiments, en fractions, en parties, qui ont des temps de résidence moyens. Un compartiment labile, temps de résidence moyen du mois, compartiment lent, temps de résidence moyen de quelques années, et l'essentiel, temps de résidence moyen de plusieurs décennies à siècles. Donc elles transitent plus ou moins rapidement dans le sol, donc très important. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que schématiquement, les fonctions qu'on attend, les propriétés qu'on attend des matières organiques, elles ne sont pas reliées au même compartiment.
Hein, ce sont plutôt les compartiments stables qui vont être responsables de la réserve utile, de la capacité d'échange cationique, du stockage de carbone. Il va persister longtemps. Et ce sont plutôt des compartiments labiles qu'on va mobiliser pour la biodiversité, l'activité biologique, la stabilité de la structure, la fourniture de nutriments. Voilà, donc un compromis à gérer, mais ce que je voulais vous retenir comme message, c'est que les deux sont possibles. Maintenant, cette caractéristique très importante des matières organiques, d'avoir des temps de résidence contrastés, elle est due au fait qu'il y a de multiples facteurs de leur biotransformation. Hein, c'est la nature des matières organiques, ce sont les caractéristiques de c'est l'abondance et la diversité des décomposeurs, ce sont les caractéristiques de l'environnement, température, eau, pH, et qui demande également des caractéristiques liées au type de sol. Et c'est cette diversité des facteurs qui fait que c'est relativement complexe. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu un véritable changement de vision sur la dynamique des matières organiques. La vision a été renouvelée. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il n'y a pas de néoformation de substances humiques. Vous avez peut-être appris, moi j'ai appris quand j'étais à l'université, substances humiques, non, ce sont des artefacts. Et les matières organiques stables dans les sols, ce ne sont pas des substances humiques. Et d'ailleurs, des molécules qui persistent longtemps dans les sols, à part les charbons, on n'en connaît pas vraiment, en fait. Ce qui explique la persistance, d'abord, ce qui persiste dans les sols, longtemps, ce sont des matières organiques microbiennes. Vous voyez, ce que j'ai représenté ici, ce sont des sucres. C'est ça qui persiste parfois pendant des siècles, des millénaires. Apparemment, c'est surprenant. Mais ils persistent, ces petites molécules, elles persistent parce qu'elles sont stabilisées par adsorption sur des argiles ou par piégeage au sein de la porosité du sol, où elles sont peu accessibles aux micro-organismes. Voilà, donc un changement vraiment important dans la perception de ceux qui contrôlent la dynamique des matières organiques. Alors, ceci étant dit, on peut se demander, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le tableau. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le tableau, ce que je vous ai mis, c'est un cycle du carbone dans un agroécosystème, hein, avec la photosynthèse qui permet la production des végétaux, des exportations, restitutions, importations de matières organiques, par exemple des fumiers, des composts. Tout ça, ça fait les déjections animales, tout ça, ça fait le flux d'apport au sol. Et puis, il y a des pertes. Toute petite perte dans les agroécosystèmes tempérés ou tropicaux avec l'eau de pluie. Des pertes qui peuvent être importantes par érosion. Ça va ailleurs dans le paysage, mais c'est quand même perdu de la parcelle. Et puis, l'essentiel des pertes, c'est par biodégradation et minéralisation. Activité des organismes vivants du sol. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre ça comme cadre. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'augmenter la photosynthèse, augmenter la production végétale. Et ça, il y a différentes manières de le faire. Il y a certes produire plus, la culture de rente. Mais il y a aussi les cultures intermédiaires. Il y a aussi les enherbements intercalaires entre des rangs de vignes, entre des rangs de vergers. Il y a aussi des cultures pérennes, hein, avoir des prairies temporaires, augmenter la durée des prairies temporaires dans une rotation. Ça aussi, ça augmente la photosynthèse. Il y a de l'herbe, il y a du végétal tout le temps, toute l'année. Il y a aussi l'agroforesterie. Hein, avec du coup les restitutions qui viennent des parties aériennes, toute la litière, mais aussi les systèmes racinaires extrêmement développés des arbres qu'on met entre les cultures. Donc différentes manières de faire. Ensuite, deuxième chose à faire, alors ça ne nous concerne pas trop par exemple contexte européen, mais ça peut l'être par ailleurs, c'est bannir les feux, hein, éviter cette perte sèche, brutale de carbone des sols. Que peut-on faire aussi? Eh bien, essayer de restituer le plus possible de résidus de culture. Oups. Voilà. Restitution des pailles, autant que c'est possible. Maintenant, là, il y a des compromis à avoir. Il y a vraiment des choix en termes de filières de valorisation de ces résidus de culture. Mais les apporter au sol est une valorisation. Il faut vraiment en être conscient. C'est une valorisation, ça sert à quelque chose. Que peut-on faire d'autre? Apporter des matières organiques exogènes qui viennent d'ailleurs que la parcelle, hein, ce sont les effluents d'élevage, ce sont les composts, les produits de nos activités urbaines, donc ça fait une source de matière organique supplémentaire. Ce qu'on peut faire aussi, et c'est plus complexe, c'est gérer l'élevage, gérer le pâturage, hein, quelle est la densité d'animaux sur la parcelle, la fréquence des fauches, voilà, donc toutes les pratiques en prairie peuvent intervenir. Et puis, alors tout ça, ça détermine finalement les flux d'apport. On contrôle les flux d'apport au sol. Maintenant, il y a les flux de sortie
du sol. Alors on peut essayer de lutter contre l'érosion par des aménagements appropriés et puis par une couverture permanente du sol, comme ici, cette photo en agriculture de conservation qui va protéger donc la surface du sol de l'action de la pluie. Et puis notre flèche la plus importante, c'est biodégradation, minéralisation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Essayer de limiter les perturbations physiques du sol et donc réduire le labour. Là encore, on se tourne vers des systèmes soit où on est en non-labour, en semi-direct, ou bien en véritable agriculture de conservation, avec également une couverture du sol permanente. Voilà, donc vous voyez différents volants d'action qui peuvent être mobilisés, séparément, qui peuvent être parfois mobilisés ensemble. Ils ne sont pas tous, il y en a un certain nombre qui sont tout à fait compatibles. Donc voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, ensuite, on peut s'interroger sur ce qui est efficace, ce qui marche, combien ça stocke. Voilà, quelle est l'efficacité des pratiques ? Donc là, ce que je vais vous présenter sont les résultats d'une étude, d'une expertise qui a été faite par un collectif de chercheurs, animée par l'INRA et demandée par les ministères de l'Agriculture et de l'Écologie. À l'époque, c'était le ministère de l'Écologie, où, à partir d'une synthèse de la littérature, les experts, nous avons essayé de déterminer quel était l'effet sur le stockage de carbone d'un certain nombre de pratiques qui avaient été présélectionnées. Il n'y a pas toutes les pratiques possibles. Hein. Je suis sûre que vous en cherchez qui ne sont pas présentes sur ce graphique, mais vous en voyez un certain nombre. Hein. Semi-direct, augmenter la durée des prairies temporaires, implanter des cultures intermédiaires, enherber les vergers. Et là, qu'est-ce que j'ai représenté ? Sur l'axe des ordonnées, vous avez un stockage de carbone additionnel. C'est ce qu'il y a en plus par rapport aux témoins. Donc pour agroforesterie, c'est comparaison avec une parcelle dans laquelle il n'y a pas d'arbres. Quand c'est culture intermédiaire, c'est comparaison par rapport à une rotation dans laquelle il n'y a pas de culture intermédiaire. Et je les ai classés là par efficacité croissante. Donc ça, ce sont les données de la littérature scientifique. Donc on a fait un tri très très rigoureux en termes de validité des expérimentations. Ce qui était pertinent pour un contexte Europe de l'Ouest, en termes climatiques, en termes... Et puis, bon, les barres d'erreur, c'est les barres d'erreur de la littérature. Donc, vous voyez, on a encore besoin d'affiner, arriver à faire réduire ces barres d'erreur. Ce que j'ai représenté, en plus, sur le graphique, ce sont les pratiques qui jouent essentiellement en diminuant les sorties par minéralisation, c'est la réduction du travail du sol, hein, et les pratiques qui jouent essentiellement en apportant de la biomasse supplémentaire, par exemple les cultures intermédiaires, et puis celles qui mobilisent les deux. Et vous voyez que, apparemment, pour que ce soit efficace, il faut apporter de la biomasse en plus. Il est plus efficace d'augmenter les entrées de carbone au sol que de diminuer les pertes par minéralisation. C'est ce que suggère cette synthèse, réalisée dans une expertise, et c'est, j'ai envie de dire, ce que nous avons confirmé, montré, lors de deux études récentes, l'une en agroforesterie, l'autre en agriculture de conservation, où nous avons montré que c'est l'augmentation des entrées qui expliquait les stockages additionnels observés, avec des augmentations de 35-40% de la biomasse, de la quantité de carbone qui rentrait annuellement au sol, donc des augmentations relatives très importantes. Voilà, donc il faut surtout jouer sur les entrées. Et les sorties quand même. Les sorties, les pratiques simplifiées de travail du sol. Vous l'avez peut-être entendu dire, on a un peu réévalué la capacité des pratiques de réduction de travail du sol à stocker du carbone. Voici un graphique qui représente en fonction de la profondeur l'augmentation relative des stocks de carbone. Ça, c'est issu d'une méta-analyse, c'est-à-dire c'est une synthèse de nombreux articles de la littérature, et plusieurs de ces synthèses récentes ont montré qu'il y a effectivement un faible effet sur les stocks de carbone, plus faible que ce qu'on pensait antérieurement. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça stocke peu, en moyenne. Il y a une variabilité qu'on n'explique pas. Et là, nous, chercheurs, il faut qu'on bosse encore, parce qu'on a vraiment, on souhaiterait savoir quand est-ce que ça stocke et qu'est-ce qui explique que ça ne stocke pas. Mais même si la réduction du travail du sol n'a pour effet que de concentrer les matières organiques en surface, sans changer la quantité totale que vous pouvez avoir sur, par exemple, 30 cm, 60 cm d'épaisseur de sol, il peut y avoir des bénéfices importants en termes de structure du sol, en termes d'infiltration, en termes de l'eau, en termes réduction de l'évaporation sous des climats secs. Mon titre, c'est que gérer les matières organiques, c'est stocker du carbone dans le sol, mais ça n'est pas que stocker du carbone dans le sol, et il y a un certain nombre de situations où c'est autre chose qui est visée. Et l'initiative 4 pour 1000, elle a pour objectif d'améliorer la fertilité des sols, de préserver les matières organiques du sol, d'en augmenter la teneur, les stocks,
pour la fertilité des sols et donc indirectement la sécurité alimentaire, pour l'adaptation au changement climatique et d'augmenter, préserver, augmenter le stockage de carbone pour l'atténuation du changement climatique. Donc c'est plus large que du carbone, l'initiative 4 pour 1000. Un résultat, avant de synthétiser, une chose qui émerge de la littérature récente, c'est que si on veut stocker de manière efficace, il faut stocker par la racine. Il faut stocker par la racine. En effet, j'ai essayé de représenter ça sur un graphique. Vous voyez, j'ai représenté finalement ce que serait la biomasse carbone, enfin la quantité de carbone d'un système racinaire, la quantité de carbone partie aérienne, proportion typique de nos cultures annuelles, en particulier céréales, et ce qui reste dans le sol au bout de plusieurs années, c'est ça. Ça s'inverse. Et effectivement, le rendement en carbone du sol est plus élevé pour le carbone qui est rhizodéposé, qui vient des systèmes racinaires, que pour le carbone qui vient des systèmes, des parties aériennes des plantes. Un facteur de 2,5 à peu près, là encore, d'après des synthèses de nombreux travaux publiés dans la littérature. Conclusion, donc ça veut dire que ce qu'il faut augmenter, c'est les apports par voie racinaire. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Essayer de privilégier des systèmes racinaires profonds. Alors la sélection variétale, elle n'est pas du tout orientée dans ce sens-là, mais il y a peut-être quand même un levier d'action à essayer de mobiliser. C'est privilégier les pérennes, les cultures pérennes, donc un enracinement permanent. C'est de favoriser la diversité des couverts. Et pourquoi ? Alors j'ai pris un très joli dessin de système racinaire en prime, parce qu'on peut dire, si on diversifie les plantes, on va diversifier les systèmes racinaires, donc peut-être explorer beaucoup mieux le sol qu'avec un seul type de système racinaire. Et puis, bien sûr, implanter de l'agroforesterie, là, c'est aller explorer les sols en profondeur. Alors, est-ce toujours faisable d'augmenter, de préserver, augmenter la teneur en matière organique des sols ? Pour enrichir les sols en matière organique, il faut... C'est une évidence, mais je tiens à le rappeler, il faut des sols, déjà. Il faut des sols. Alors, on est dans un contexte d'aggravation des phénomènes d'érosion et d'une extension encore beaucoup trop importante des phénomènes d'érosion. Le sol, il part. Et on est dans un contexte, alors, d'aggravation sérieuse des phénomènes de l'artificialisation et donc de réduction des surfaces disponibles pour la culture, pour d'autres types de couverts végétaux, pour du stockage de carbone, pour toutes les fonctions associées aux matières organiques des sols. Et puis, pour stocker et stabiliser des matières organiques, il faut de la biomasse. Il faut de la biomasse, et pour ça, il faut de l'eau. Il y a des conditions, c'est ça qui limite. Il faut des nutriments. La disponibilité de l'azote, du phosphore peut limiter la croissance de la biomasse. On ne va pas stocker du carbone avec ça. Et puis, il peut y avoir des compétitions, d'autres usages. Utiliser la biomasse pour les animaux, utiliser la biomasse pour des usages domestiques. Donc là encore, des compromis à réexaminer, des compromis pas évidents du tout à aborder. Et donc des limites biophysiques, agronomiques, économiques et sociales. Et comme Paul le disait tout à l'heure, dans l'initiative, on fait très attention à toutes ces limites, à la diversité de ces limites, biophysiques et autres, économiques et sociales, mais aussi à tous les impacts négatifs potentiels, tous les dangers auxquels qu'il pourrait y avoir dans une politique volontariste d'augmentation de la teneur en matière organique des sols. Donc je vais conclure, augmenter la teneur en matière organique des sols, je veux dire c'est possible, et c'est donc un objectif qu'on poursuit dans l'initiative. Il est possible d'à la fois stocker et minéraliser les matières organiques, mais ça suppose d'apporter du carburant tout le temps, donc augmenter les entrées de biomasse et de carbone, enfin de matière organique au sol. Il y a plein de questions en suspens, nous avons plein de questions, nous, sur les processus, est-ce qu'on peut déstabiliser du carbone, où est-ce qu'il faut aller placer le carbone dans un paysage ? Quel est l'effet de pratique ? Quand est-ce qu'il faut restituer la biomasse ? Il vaut mieux la composter d'abord, la restituer directement. Voilà, donc on a du pain sur la planche et c'est tout à fait excitant. Et un des messages que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas une manière d'enrichir les sols en matière organique. Il y en a plein. Et donc, il y a la possibilité pour les praticiens et les acteurs. Comme Paul l'a dit, ce sont les agriculteurs. Donc il y a une palette d'actions possibles. Et... pour terminer, raisonner les matières organiques, ce n'est pas que le carbone, et ça doit être fait pour des bénéfices multiples. Voilà, et j'ai envie de conclure en disant que pour moi, l'agroécologie, c'est ne pas faire de l'agriculture sur les sols, mais de l'agriculture avec les sols. Et je vous remercie pour votre attention.